dans l'émission qu'on a tournée au lac du Missionnaire, l'objectif, au départ, était de faire une émission de pêche à l'achigan. Mais finalement, on a capturé une grise à environ 10 mètres du quai. Ça nous a donné le goût de faire de la grise un peu. On n'avait pas amené ce qu'il faut pour pêcher à la traîne avec des downrigger. Je n'avais pas mes downrigger avec moi. Normalement, quand je fais de la grise, c'est souvent avec les downrigger que je vais commencer. Je veux couvrir du territoire. Je veux voir où sont les structures intéressantes, où sont les regroupements de poissons. Mais une fois qu'on les a trouvés, si ça ne répond pas à la traîne avec des cuillères, par exemple, parce que ça dépend du niveau d'activité de la truite grise. Certains jours, ce poisson-là n'est pas enclin à poursuivre une proie qui se déplace, par exemple, à 2000 à l'heure. C'est à ce moment-là que la technique qu'on a utilisée au lac du Missionnaire devient très intéressante. La pêche à la jig. Je vous explique comment je fais ça en gros. Si je ne suis pas familier du tout avec le lac, comme c'était le cas au lac du Missionnaire, c'était ma première fois là-bas, je descends le moteur électrique à l'eau. Mon sonar est ouvert, évidemment, puis je vais avancer avec le bateau à 4-5 000 à l'heure. Puis là, je cherche des poissons. Si j'arrive dans un secteur où je m'aperçois que, oups, il y en a plusieurs, là, je vais ralentir ma progression, 2000, 3000 à l'heure. Mon moteur électrique est à l'eau, le sonar est en fonction. Là, j'avance. Au moment où j'aperçois un écho dans le sonar, que je pense être une grise, souvent, on va pouvoir le juger par la profondeur. Hein, au lac des Missionnaires, quand on voyait les échos dans 70 pieds de profondeur, bien, on avait, évidemment, on se dit, c'est une grise. Donc, je repère un écho dans le sonar. Immédiatement, je passe au neutre et même au reculon. Je donne un petit coup de reculon avec mon bateau. Puis au même moment, j'appuie sur ma manette, sur le bouton ancrage de mon moteur électrique. Okay? Pourquoi le petit coup de reculon? Parce que je veux éviter que mon moteur électrique soit obligé de virer à sa capacité maximum. À ce moment-là, il émet beaucoup de vibrations puis il est très bruyant. Donc, je repère mon poisson, immédiatement, je passe au neutre, reculons, puis je paye sur le bouton. Je reviens au neutre ensuite. Là, mon bateau va être immobilisé directement au-dessus de la truite grise. Là, on va descendre notre jig à la hauteur du poisson ou un peu au-dessus. C'est souvent payant d'être un petit peu au-dessus du poisson, puis on va chercher à le faire monter vers notre leurre. Donc ça, évidemment, on voit tout ça se passer dans le sonar. Moi, je travaille avec le Panoptix ou le LiveScope, selon le cas. Puis c'est tellement facile. On voit notre jig en temps réel. On voit les poissons venir dessus. Fait qu'on peut voir à l'usage de quelle façon travailler notre jig, notre leurre, cette journée-là pour faire réagir les truites. Hein? À l'occasion, ce qui est payant, c'est d'être un peu au-dessus du poisson, presque immobile. On travaille à peine notre jig, puis à un certain moment donné, la truite va monter l'attaquer. Dans d'autres circonstances, il faut davantage la provoquer. Quasiment le jeu du chat et de la souris. Donc là, on mouline, puis on fait comme le petit poisson qui sauve la grise. La grise accélère. Quand elle s'approche, on remouline encore un petit peu. Puis là, finalement, elle prend son air d'aller, puis elle vient attaquer le leurre. Fait qu'on peut tout faire ces choses-là très facilement quand on travaille avec le Panoptix ou le LiveScope. On voit ça dans le sonar, tout se passe en temps réel. Ça va vraiment super bien. Quand on a eu une attaque, ça prend un premier ferrage. Là, ce que je fais, moi, je mouline, je reprends un peu de fil lousse ou encore... En fait, c'est ce qui va me permettre de baisser la pointe de ma canne à pêche. Je vais refaire une deuxième fois. Il y a toujours un double ferrage. La mâchoire d'une truite grise, c'est très coriace. Puis on perd beaucoup de poissons au niveau d'un seul ferrage. Donc, mon premier ferrage, qui doit être rapide, je mouline, je baisse la canne, puis là, je ferre puissamment une deuxième fois. Là, les chances sont bonnes que l'hameçon est vraiment pénétré dans la gueule robuste de la truite grise, puis là, on a notre poisson. Fait qu'on mouline doucement, on profite du combat. Faut pas que le frein soit serré. C'est des poissons qui vont faire des sprints vers les profondeurs pour essayer de pas se retrouver en surface. C'est une pêche qui est absolument palpitante. Si vous n'avez pas un système de moteur électrique comme on a utilisé, on peut très bien le faire, par exemple, dans une petite embarcation, en plaçant l'arrière de l'embarcation dans le vent. À ce moment-là, on utilise le petit moteur électrique ou le petit moteur hors-bord à la renverse, donc à reculons. Quand on repère un poisson, on va se servir de ça pour amener notre embarcation à vitesse zéro. Puis là, on descend le jig au-dessus du poisson, puis on commence à travailler nos affaires. Donc, ça se fait... C'est un petit peu plus de travail, mais ça se fait très bien aussi avec une petite embarcation. Au niveau de l'équipement, vous allez voir passer les leurres souples que j'utilise le plus pour la grise, qui est ceux avec lesquels j'ai eu le plus de succès. Je vais les monter sur une tête de jig. Ça va dépendre à quelle profondeur je pêche, puis s'il y a du vent et tout ça, là, tu sais, mais souvent, je suis à une demi-once.
À l'occasion 3-8, ça m'est déjà arrivé de devoir aller à 3 cordons. Donc, ça dépend des conditions, de la profondeur, est-ce qu'il y a de la vague, est-ce qu'il y a du vent, ces choses-là. Ensuite de ça, fil de fluorocarbone. Très, très important d'avoir un bas de ligne de fluorocarbone. Souvent, on est dans les lacs où les eaux sont très claires. Puis là, la grise a le temps d'examiner quand elle s'approche du jig. Fait que si elle voit votre fil, en revient d'abord, elle s'en va, vous n'aurez pas d'attaque. Fait que même qu'on a remarqué que d'utiliser un fluorocarbone de trop gros calibre, on a moins d'attaque, très clairement. Fait que vous pourriez être, par exemple, à 8 livres test. Ça serait excellent, comme le fluorocarbone, le trilène 100% fluoro. Ça fait super bien. Mon fil principal, je veux un fil de petit diamètre. Ça aide à faire descendre mes leurres en profondeur sans avoir besoin d'une once ou deux onces comme poids de tête de jig. Fait qu'encore là, dans le 8 ou 10 livres, soit nanofil ou soit le X9, ce genre de fil-là, ça fait super bien. La canne est importante aussi. Ça prend une canne de puissance moyenne lourde. J'ai dit tantôt que ça prenait un bon ferrage, donc ça nous prend une canne qui est assez robuste. Je dirais entre 5 pieds 6 pouces et 6 pieds 6 pouces maximum, puissance moyenne lourde, action rapide ou très rapide. Si vous voulez des exemples, dans l'émission, entre autres, on a utilisé des Fenwick Eagle, 5 pieds 6, puissance moyenne lourde. Une canne aussi qui est très, très bien pour ça, puis qui peut être polyvalente pour faire d'autres utilisations de pêche, c'est la Fenwick HMG, 6 pieds 6 pouces, puissance moyenne lourde, action rapide. Donc ça, c'est des bons exemples de cannes qui sont parfaites pour ce genre de pêche-là. La HMG, elle est très sensible, mais très robuste aussi. Donc c'est vraiment une canne idéale pour ça. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour de la façon de travailler la grise à la jig verticale, comme on a fait. C'est une pêche qui est très excitante à faire. Je vous encourage à essayer ça, particulièrement les journées où on voit que la truite est un peu moins active puis elle court pas après les présentations qu'on fait horizontalement avec le downrigger, par exemple. C'est le bon moment pour sortir les jigs, avoir du plaisir à capturer des belles grosses truites.